Vous souhaitez investir à l'étranger, mais vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Est-ce qu'il faut acheter en société, en nom personnel? C'est une question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour, ici Romain Armato. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications de sorte à recevoir le contenu inédit qui va suivre sur la chaîne YouTube par la suite. Je vous invite également à télécharger la checklist Investissez dans l'immobilier à l'étranger en 7 jours chrono, qui se trouve en description ci-dessous et ça va vous aider à stabiliser votre capital en un temps record. Investir en somme dans l'immobilier, là où on vous traite le mieux avec la meilleure fiscalité possible. Donc, je vais répondre à cette question ayant personnellement investi à l'international en nom propre, puis en société, et vous demander peut-être quelle est la meilleure solution aujourd'hui. Est-ce que c'est une structure? Est-ce qu'il faut créer une société à l'étranger ou est-ce qu'on peut acheter directement en nom propre en tant que résident fiscal français? Je vais prendre ici mon iPad puisque j'ai été accompagné par mon avocat fiscaliste. En somme, la fiscalité immobilière des biens détenus à l'étranger soulève des questions de fiscalité sur les revenus locatifs, sur le traitement des dividendes dans le cadre d'un investissement en société, également dans le cadre du traitement des versements de l'impôt sur la fortune immobilière, puis de l'implication du règlement européen sur les successions. Et j'utilise ces mots précis parce que, encore une fois, c'est mon fiscaliste qui les emploie et qui me rappelle dans son analyse qu'il faut, en droit interne français, déclarer ses revenus. Et il y a une fiscalité illimitée pour les résidents français sur leurs revenus de sources françaises et étrangères, sauf application d'une convention internationale. Donc, cette vidéo aujourd'hui a pour but de pointer du doigt ce qu'il faut maîtriser, si d'abord c'est possible de le réaliser pour vous, et ensuite quels sont les éléments à savoir pour réaliser une opération rentable. Rappelons que j'ai investi personnellement en Estonie et que le traitement des revenus fonciers que l'on dégage à l'étranger dépend des conventions qui sont en place dans les pays. Ça s'appelle les conventions fiscales, c'est des conventions de non-double imposition qui sont votées entre pays, comme celle de l'Estonie, par exemple, qui a été signée à Paris le 28 octobre 1997 et qui a pour but d'éviter l'évasion fiscale naturellement. Dans le cadre de l'Estonie, ce n'est pas nécessairement judicieux de créer une société. Je vais vous expliquer tout ça dans le détail en prenant l'exemple de l'investissement, d'un des investissements que j'ai réalisé ici sur place. Et vous allez voir que dans le cadre de l'Estonie spécifiquement, il est plus judicieux d'investir en nom propre plutôt qu'en société. Pourquoi? Je vous explique tout de suite. Alors, un contribuable français imposé à la tranche marginale de 41% qui perçoit un revenu brut de revenus locatifs en Estonie de 4 200 euros. C'est ce que je perçois moi ici puisque je fais de la location en long terme et je perçois 4 200 euros de loyer, 350 euros par mois. À cette enveloppe-ci, en Estonie, en tant qu'individu, on a le droit de retirer une enveloppe au titre des charges qui est de 20%. On est à 840 euros de forfait en gros à abattre du revenu foncier qu'on dégage en Estonie en tant que résident fiscal français. Donc en gros, sur 4 200 euros, vous enlevez 20% et il vous reste 3 360 euros de revenus après charges ici en Estonie. Donc pour récapituler, sur 4 200 euros de loyer, vous calculez 20%, donc 840 euros à déduire de ce revenu foncier, ce qui équivaut à 3 360, et c'est à partir de là seulement qu'est calculé l'impôt estonien. Et l'impôt estonien, comme j'en ai parlé précédemment sur la chaîne YouTube, on est à 20% d'imposition flat que l'on gagne. 1 euro ou 1 milliard, c'est exactement la même chose. 3 360 euros multiplié par 20 pour avoir les 672 euros d'impôts à payer en Estonie. Voilà. Donc on a 672 euros à payer d'impôts en Estonie dans le cadre d'un revenu foncier à 4 200 euros annuels. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de la France? Parce que comme on l'a vu, il y a une convention non double imposition, mais on se doit quand même de déclarer ses revenus fonciers générés à l'étranger.
Eh bien, on reporte sur l'imprimé 2047 les sommes de 3360 et de 672. Donc, pour bien expliquer au gouvernement français qu'il y a ces sommes qui ont été dégagées, plus l'impôt qu'on a payé localement en Estonie. Donc, on reporte sur l'imprimé 2047 4032 euros. Vous déclarez donc ces 4032 euros à l'administration fiscale française, vous le reportez dans votre 2042 et vous calculez le crédit d'impôt correspondant. Donc, dans notre exemple, pour avoir généré 4200 euros de revenus fonciers, et mettons l'hypothèse que le contribuable est imposé à 41%, fait partie de la tranche des 41%, on lui octroiera un crédit d'impôt de 4032 euros fois 41% de 1653 euros. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'imposition française s'annule, peu importe l'ATMI, la tranche marginale d'imposition. Donc lorsque vous achetez en Estonie, l'impôt français se neutralise grâce à la convention qui a été signée en Estonie. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les scénarios possibles puisque ça prendrait énormément de temps et ça vous noierait d'informations. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez faire un achat, un investissement seul en nom propre, ça suffit. Si vous voulez avoir plutôt une activité de loueur meublé à l'étranger, là, ce sera peut-être plus judicieux en fonction de votre situation en temps T de créer une société. En tout cas, ce sont des sujets qu'il faut creuser à l'aide d'un avocat fiscaliste. Il faut vraiment être accompagné par un comptable qui pourra, en fonction de votre situation, vous dire qu'est-ce qu'il est dit judicieux de mettre en place. Ceci ne correspond absolument pas à une consultation privée. Ceci dit, si vous voulez en savoir davantage et que vous voulez savoir si c'est approprié pour vous dans votre situation, quelle est la meilleure solution à choisir, je vous invite à prendre un rendez-vous, une consultation privée en cliquant sur le lien ci-dessous et une fenêtre va s'ouvrir dans laquelle vous allez pouvoir choisir un créneau de rendez-vous et on va parler lors d'une conversation, d'une consultation privée d'une heure de votre situation précise et je vais donc pouvoir vous aider à trancher entre le statut de société, le statut d'individu et également vous proposer des solutions d'investissement clé en main pour que vous puissiez dès aujourd'hui diversifier votre patrimoine, sécuriser votre patrimoine dans un pays européen d'avenir en un temps record pour des frais qui sont dérisoires. J'espère que ce message vous trouve bien et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.